Raphaël Volkoff, l'interprète de Roxane, la femme de Sarah, Camille Jeunot, dans Demain nous appartient, a posté des photos de vacances où on la voit très proche de Luigi Croner, le fils d'Elsa Launeghini, la star d'Ici tout commence. Dans Demain nous appartient, Raphaël Volkoff, l'interprète de Roxane, la geek du commissariat de 7, a une vie de famille bien remplie, mariée à Sarah, Camille Jeunot, elle est l'heureuse maman d'une petite Enora jouée par un vrai nourrisson de quelques mois. Le couple va d'ailleurs prochainement confier son enfant à Emma. Silouna Lou, l'interprète de cette dernière est en couple avec un autre acteur de la série de TF1, Raphaël Volkoff pour sa part est très proche du fils d'une comédienne d'Ici tout commence, l'autre feuilleton de la Une. Demain nous appartient, Raphaël Volkoff, Roxane, très proche de Luigi Croner, le fils d'Elsa Launeghini sur son compte Instagram suivi par plus de 56 800 abonnés. Raphaël Volkoff a posté des photos en compagnie de Luigi Croner, le fils d'Elsa Launeghini, l'interprète de Clotilde, chef renommé, professeur à l'Institut Auguste Armand, qu'elle a eu avec le chanteur allemand Peter Croner. La jeune femme apparaît les jambes installées sur le jeune comédien né en 1994 puis s'y est le sportif musclé qui pose sa tête sur ses pieds au bord d'une piscine. Luigi Croner a aussi partagé des moments à deux. Sur son compte Instagram suivi par plus de 6500 abonnés, on peut voir une sublime photo de la jeune femme. Des photos qui montrent la grande complicité qui les lie. Demain nous appartient, qui est Luigi Croner, le fils d'Elsa Launeghini et compagnon de Raphaël Volkoff. À 29 ans, Luigi Croner a suivi la voie de sa mère. Il a démarré sa carrière dans Commissaire Magellan sur France 3 en 2009, puis a joué dans Capitaine Marlowe, Section de Recherche, Scam France, Munch, la série de TF1 avec Isabelle Nanty, ou encore un épisode de la série de France 3 Crime et Botanique. Il est également apparu dans Candice Renoir sur France 2 ou Les Secrets du Finistère, plus récemment sur France 3. Luigi Croner était aussi l'un des comédiens de B. R.I., la série de Canal+. Mais avant de jouer la comédie, le jeune homme s'est d'abord tourné vers le sport, sa passion, et en particulier le kickboxing. Une discipline dans laquelle il s'était illustré, en étant sacré champion de France en 2010 et champion d'Île-de-France dans la catégorie de moins 71 kg. Luigi Croner est également devenu coach sportif. Dans...